Allez, le coup d'envoi, c'est le Bayern qui a hérité du premier ballon. La composition de l'équipe locale qui s'affiche. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. La composition d'équipe de la Juventus de Turin. Schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Thiago Alcantara. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Juan Cuadrado. Il s'avance vers la surface. Higuaín. Ce sera un corner pour la Juventus. Higuaín qui prend sa chance. Ah, c'est pas cadré, il s'en est pas fallu de beaucoup. Duel très intéressant dans ce match avec Lewandowski que l'on va retrouver face à Higuaín. Oui, Lewandowski est un joueur essentiel dans l'autre jeu. C'est là qu'il a le plus de poids. Et il est capable de trouver ses coéquipiers avec des passes lumineuses. Gonzalo Higuaín, c'est un joueur dont la frappe très puissante et très sèche. Ça donne évidemment un ballon qui part vite et souvent la trajectoire est flottante. Higuaín. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Oh, ça peut tout. Dybala. Ballon bien négocié par le gardien. Corner pour la Juventus de Turin. Ouais, la belle passe dans l'espace. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Ah, il donne carrément le ballon à l'adversaire. La Juve à l'attaque. Oh, le ballon dangereux. Oh, la bonne détente de Neuer. Corner à suivre pour la Juventus. Le centre, ce sera pour Neuer. Arturo Vidal. Lewandowski. Le Bayern de Munich à l'attaque. Thiago Alcantara. Le ballon qui sort en corner pour le Bayern. Et c'est repoussé du point par le gardien. Ouais, c'est dévié le ballon qui sort. Un ballon rendu à l'adversaire. Oh là là, l'occasion. Lewandowski. Et le but de Lewandowski. Le gardien qui s'incline sur cette frappe extrêmement précise. C'est le genre de ballon quasi impossible à aller chercher. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Lewandowski. Vidal. Le Chilien Arturo Vidal qui est arrivé en Europe à l'âge de 20 ans, hein, Pierre. Oui, au Bayer Leverkusen pour être précis, où il s'est très très bien acclimaté et où il disputera 5 belles saisons. C'est le face-à-face avec le gardien. Dybala. Ouais, la frappe. Contrée. Allez, le Bayern qui part à l'assaut du but adverse. Ballon rendu à l'adversaire. Gonzalo Higuaín. Müller. Attention, ah, le bon ballon de contre. Robert Lewandowski. Il travaille bien son ballon et il marque en finesse. Mais c'est vrai que on oublie parfois que la finesse peut être aussi efficace que la force. Ouais, joli sang-froid de la part du buteur. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Robben. Peut-être un contre à amorcer avec cette récupération au milieu de terrain. Ah,
Attention, il n'y a plus que le gardien. Lewandowski. Ah oui, cette fois c'est fait. Ah, ça fait 3 buts personnels pour lui maintenant. Alors, on voit son troisième but dans ce match. Ah, la défense n'a toujours pas trouvé la solution contre lui. Hein. Il est en train de faire un récital. 3-0, toujours pas de réaction en face. Philippe Lahm. Vidal. Arturo Vidal. Ça, c'est un personnage. Hein. Vraiment, il a une gueule. Oui, on peut le surnommer le guerrier, le roi Arthur, mais enfin, faut être fan de tatouages. Hein. Interception de Franck Ribéry. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Paolo Dybala. Ah non, non, c'est mal défendu là. Il a vu l'appel de Dybala. Müller. Thomas Müller, c'est un joueur atypique. Hein. Il n'est pas vraiment élégant. Il est imprévisible. C'est un finisseur. Il est toujours là pour marquer des buts importants. Oui, il peut jouer un peu à tous les postes, attaquant, milieu offensif, à droite, ailier, encore plus en pointe. Il sait s'adapter aux dispositifs et les dispositifs savent s'adapter à lui. Lewandowski, la frappe. Et l'attaque va s'arrêter là. Ballon capté par Buffon. Ouais, il a anticipé la trajectoire et a bien intercepté. Paolo Dybala. L'arbitre laisse l'avantage pour la Juve. Sami Khedira. Attention, ça peut être dangereux. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Il perd le ballon. Thiago Alcantara. Marquezio. C'est intercepté par David Alaba. Gonzalo Higuaín. La Juve à l'attaque. La passe mal ajustée de Müller. Mi-temps donc ici, avec donc déjà 3 buts d'avance. On espère que ce n'est pas encore. Ah bon Pierre, il n'y a eu aucun suspense en première période. Comment vous voyez la deuxième? Ça a tous les contours d'un match de... Et il va y aller. Bien repoussé par la défense. Vidal. Arturo Vidal. Lewandowski. La passe d'Arturo Vidal. Et qui va trouver un joueur adverse. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ouais, bien joué, l'interception. Vidal. Robben. Ballon en cloche pour Lewandowski. Gonzalo Higuaín. Il est dépossédé du ballon. Lahm. Chiellini qui avait bien lu le jeu de l'adversaire. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, ben bon, ça n'ira pas plus loin. Arturo Vidal. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui va sans doute venir. Gonzalo Higuaín. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Oh, le tir de Lewandowski. Oh, le ballon qui vient se loger au ras du poteau. Ah, les gardiens qui doivent s'incliner à nouveau. Oui. Et en plus, le pire, c'est qu'on a l'impression que ça ne s'arrange pas au fil des minutes.